Pour vivre heureux, vivons cachés, ça pourrait être le slogan d'une entreprise charentaise spécialisée dans les portails, les grillages et autres clôtures. Elle existe depuis plus de 60 ans à Moutier-sur-Bouesme et elle vient de recevoir un trophée de l'innovation décerné par l'Institut national de la propriété intellectuelle. Bruno Pilet et Cécile Landais. Depuis plus de 60 ans, l'entreprise charentaise conçoit et fabrique des grillages, des clôtures, mais depuis peu, elle se modernise. Il est différent des autres parce qu'on peut adapter les couleurs et qui permettent de se fondre dans l'environnement dans lequel il est, soit de pouvoir embellir les bâtiments, soit de se fondre complètement. Donc il y a deux usages complètement différents et c'est ce qui plaît aujourd'hui aux architectes. Pour embellir son catalogue, la société a fait appel à Julie Cordier, designer. Elle planche sur un nouveau type de produit. Cet univers est né en s'inspirant beaucoup des codes de la décoration intérieure. Donc on retrouve des étagères, des bougeoirs, des jardinières qui viennent se mettre sur la clôture en elle-même pour amener de la décoration. On a différents motifs, différentes couleurs. Donc c'est vraiment des codes de la décoration intérieure qui ont été transposés à l'extérieur. Lipi, qui dispose du label Origine France Garantie, tente de se démarquer de plus en plus en partant notamment d'un constat qui permet aujourd'hui à l'entreprise d'augmenter son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, l'habitat est de plus en plus serré, avec une promiscuité importante, et les gens ont envie en fait, de se cacher, mais pas de se cacher avec des produits qui sont stressants. Ils ont envie d'y ajouter un peu de plaisir et de couleur, de lumière. Donc ils peuvent adapter et la lumière et la décoration et moduler les accessoires qui sont dessus. Donc on passe finalement à un aménagement ludique. Prochaine étape pour l'entreprise de 170 salariés, l'ouverture de boutiques éphémères pour proposer à la vente ses produits de déco directement aux particuliers.